Chers amis, bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Merci de nous suivre de manière toujours aussi fidèle. Message personnel pour Mabadou Sakho qui a envoyé une petite bafouille au site. D'abord pour dire, et je le remercie, qu'il aimait beaucoup ce programme vidéo, mais tout en me reprochant de ne pas donner les numéros. Alors c'est vrai que je ne les donne pas systématiquement. Pourquoi ? Parce que le samedi, je vais faire l'effort de vous donner les numéros du samedi, mais ce programme est enregistré le vendredi matin. Quant au quintet de dimanche, nous n'avons pas le vendredi matin la numérotation officielle. Donc on le fera pour le samedi, donner les numéros, pas pour le dimanche. Samedi, justement, le quintet a lieu sur l'hipporome de Toulouse. C'est le prix de la ville de Toulouse. Une épreuve pour chevaux âgés de 4 ans et plus, courue sur la distance de 2100 mètres. Toulouse est une piste un peu particulière. Les numéros à la corde n'ont pas beaucoup d'importance. On a vu un concurrent gagner cette course avec la corde 18 il y a quelques années. Et on note à l'arrivée qu'on a toujours deux gros numéros de corde sur les 5 qui composent le quintet. Ben, les gros numéros de corde, c'est là où j'ai déniché mes favoris. Tout d'abord Octo King, qui vient de s'imposer, ou en tout cas de terminer deuxième, battu de peu dans un récent quintet. Il devrait confirmer et terminer à l'arrivée. Octo King, c'est le numéro 5. Deuxième base, là encore un concurrent qui vient de courir dans un quintet, c'est le 6, chef de troupe, entraîné par Alain Couetil, qui fait le déplacement en direction de la Ville Rose. C'est une toute première chance. On note qu'il retrouve sa cavalière habituelle, à savoir Marilyn Eon. Troisième chance dans les gros numéros de corde, c'est le numéro 11, Imprimeur. Alors Imprimeur vient de décevoir dans un récent quintet. Mais on note qu'Imprimeur, auparavant, à Salon de Provence, avait fait polémique parce qu'il avait été tiré, c'est-à-dire bigorné. On n'avait pas demandé au cheval toute la quintessence de l'action qu'il pouvait foutre en venir. Ce fut même tout l'inverse, puisqu'on l'a retenu. Et on ne sait que trop penser de cet Imprimeur. Mais en tout cas, on a dû viser quelques courses. Il vaut beaucoup mieux que l'indiquent ses deux dernières performances. Donc, trois bases, le 6, chef de troupe, le 11, Imprimeur, le 5, Octo King. Et si vous en cherchez une quatrième, regardez du côté de Pacha d'Argent. C'est l'entraînement très en forme de Jean-Pierre Gauvin et surtout la montre toujours inspirée de Pierre-Charles Boudot. Pacha d'Argent, c'est le numéro 9. Il a tiré la corde numéro 2. Donc, quatre bases, le 9, Pacha d'Argent, le 6, chef de troupe, le 11, Imprimeur et le 5, Octo King. Octo King qu'on peut même jouer au jeu simple gagnant et placé. Qui leur associé le numéro 3, Stéréo, chance régulière, le 16, Beauvallet. On note que Spirit's Revenge mérite d'être repris, même s'il reste sur une victoire, parce qu'il est en plein sur sa distance. En valeur 41,5, c'est très intéressant, c'est le numéro 4. Le 13, Vicmar, le 15, Seasonal, et le 7, Solmina. Alors on récapitule ça avec les numéros. Donc nous disions en base le 9, Pacha d'Argent, le 6, Chef de Troupe, le 11, Imprimeur, et en tête de tout cela, nous mettons le 5, Octo King. Nous y ajoutons le 3, Stéréo, le 16, Beauvallet, le 13, Vicmar, le 15, Seasonal et le 7, Solmina. Nous allons maintenant passer au quintet de dimanche. Alors dimanche, nous sommes à Auteuil. Le terrain devrait être lourd parce qu'il pleut en région parisienne. C'est le prix Marc-Anthony, rebaptisé prix Le Parisien. Nous sommes sur les haies, 3900 mètres à parcourir par des chevaux de 4 ans. Au quintet, là encore, nous allons prendre 4 bases en commençant par Le Mans. Le Mans qui nous tourne un peu autour. Le Mans, c'est l'entraînement de David Windriff. C'est un concurrent qui avait montré en début d'année qu'il avait la pointure, tant à Cannes qu'à Auteuil, au printemps, d'une course de ce genre. On y est. L'alourdissement de la piste devrait plaider en sa faveur. On peut éventuellement le jouer gagnant. Nous allons retenir également un Hongre qu'entraîne Guy Chérel, à savoir Janica. C'est une chance tout à fait régulière. Nous prenons également Darasso et nous retenons également en haut tableau le dénommé Dariazi, c'est François-Marie Cotin, dont tous les chevaux sont en pleine forme. Donc, quatre bases dans cette épreuve. Janica, Darasso, Dariazi et Le Mans, qu'on peut même jouer au jeu simple gagnant. Je vous parlais d'alourdissement des pistes. Cela ne plaidera pas en faveur de la candidature d'Olympic Torch. Cela dit, Olympic Torch a prouvé lors de son avant-dernière sortie que même si le terrain n'était pas exactement celui qu'il attendait, une piste plutôt ferme, il était capable de très bien tenir sa partie dans un terrain très souple. Donc le pensionnaire de Patricia Butel devrait une nouvelle fois très bien courir, pas s'imposer, parce que ce sera trop lourd pour cela, mais en tout cas prendre une troisième, quatrième ou cinquième place. Nous retenons enfin Foreign Flower, c'est la forme du côté de l'entraînement, et on fait également avec la candidature de Passion Nantaise,
qui devrait très bien courir. C'est là encore un entraîneur en forme, des entraîneurs en forme, à savoir le tandem Étienne et Grégoire Linders. Alors on récapitule tout ça, Janica, Darasso, Dariasi et Le Mans en base. Et dans notre champ réduit au Quintet, nous allons retenir les candidatures d'Olympique Torche, de Foreign Flower et de Passion Nantaise. Ce programme est maintenant terminé, merci de nous suivre de façon toujours aussi fidèle. Pour notre part, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur canalturf.com.